Je voulais vous raconter l'histoire de la 77. Parce que la 77, c'est la seule classe parfaite. On n'a pas besoin de 5, on n'a pas besoin de 6, on n'a pas besoin de 7. On n'a pas besoin de 8, on n'a besoin que de 7. 7, 7, 77. Et les 77. Alors la 77, elle a commencé sa vie en 1957. Et cette année-là, en 1957, la classe 37 avait 40 ans. Et quand on a 40 ans, M. Brenna et M. Crémy ne me contreront pas, 40 ans, c'est l'âge où la jeunesse s'allie à l'expérience, quand les filles de 20, de 30 et de 40 ans nous trouvent mûres et séduisantes. C'était en 1957, c'était le tour de M. Brenna. Nous, la 77, on était en couche-culotte. On n'était même pas nés en février pour la plupart. Et on était les seins de nos mamans, en 57. En 1967, la classe 47 avait 40 ans. Et 40 ans, c'est l'âge où la jeunesse s'allie à l'expérience. C'est l'âge où les filles de 20, de 30 et de 40 nous trouvent mûres et séduisants. Nous avions 10 ans. Les filles s'amusaient avec leur kiki dans les cheveux. Nous pouvions enfin crier dans les rues et voir notre premier verre de vin blanc. En 1977, la classe 57 avait 40 ans. Nous, nous avions 20 ans. Les filles s'amusaient toujours avec les kikis, mais plus ceux qu'elles avaient dans les cheveux. Nous aimions toujours les seins, mais plus ceux de nos mamans. C'était le temps où les 20 ans n'imaginait même pas que les conscrits existaient. Les 20 ans d'aujourd'hui, je parle, hein. C'était le temps où pour nos 40 ans, c'était loin comme l'an 2000. En 1947, la classe 67 avait 40 ans. C'était nos 30 ans. Les jeunes de 20 ans, Olivier Ferry en tête, voulaient nous faire croire qu'on avait vieilli. Et les 40 ans nous en voulaient de les avoir fait reculer d'un cran. On regardait les 10 ans, on voyait que des enfants. C'était le temps où nos 40 ans, c'était loin comme l'an 2000. Et puis 1997 est là. La classe 77 a 40 ans. Et 40 ans, c'est l'âge où la jeunesse s'allie à l'expérience. C'est l'âge où les filles de 20, de 30, de 40 nous trouvent mûres et séduisants. Attends, voilà. Je suis perdu. C'est vrai, les filles. Ah oui, on retrouve les filles d'il y a 10 ans. Et on se dit que c'est à notre tour d'avoir 40 ans. Et on se dit que la vie est belle. Mais il y aura 2007, 2017, 2027, 2037. Et en 2037, les bébés d'aujourd'hui auront 40 ans, comme nous.
Alors, c'est ça les conscrits, c'est l'histoire de la vie. Alors je lance un appel à tous les présidents de classe qui sont là, de toutes les classes. Faites tout ce qu'il faut pour que les conscrits vivent et qu'il y ait de plus en plus de conscrits. Voilà. Alors attendez. Parce que les 40 ans m'ont dit, t'es pas chiffre de chanter une chanson. Attends, j'en ai une. Mais par contre, faut jouer le jeu. Je vous demande une seconde, mais faut jouer le jeu. Conscrits de toutes les classes, levez-vous tous sans masse. Aujourd'hui, c'est la fête des classes en 7. Conscrits de toutes les classes, posez un verre en masse. Bah, aujourd'hui, c'est la fête des classes en 7. Stop, est-ce que tout le monde est debout? Tout le monde a un verre? Alors écoutez bien la dernière phrase, le dernier refrain. Conscrits de toutes les classes, buvez votre verre en masse, car aujourd'hui c'est la fête des classes en 7. Allez hop là. Ah, merci beaucoup quand même. Mais moi je ne la connais pas assez. Mais par contre, il y a une chanson que je voudrais qu'on reprenne tous ensemble. Bonne chrétienne, puis baptisée avec du vin. Un beau soleil, puis son parrain, une bretonne de sa mère. Tous, ah, que son entretien est doux. Qu'elle aime à chanter comme nous. Elle aime à rire, elle aime à boire. Elle aime à rire, elle aime à boire. Que pour m'enivrer avec elle. Pour moi c'est pas vrai. Ah, que je sens notre cœur. Elle a de mérite et de gloire. Elle aime à rire, elle aime à boire. Elle aime à chanter comme nous. Elle aime à rire, elle aime à boire. Elle aime à chanter comme nous.